crise ça qui est aujourd'hui la crise d'insécurité, hein, son crise qu'il a depuis tantôt 5-10 ans, depuis 5-10 ans, parce que depuis le vingt une prolifération gang, depuis le insécurité, depuis le gang a fait ça ouvrir, depuis le gang a exprimé et pouvoir papa agir, papa arrêter moun, on peut comprendre prolifération vient énorme. Maintenant nous venons dans une situation côté que Jovenel Moïse ainsi que son gouvernement, ils n'ont pas le contrôle de ce qui se passe et de ce qui se fait en Haïti. Vous comprenez que ça crive mentissant, c'est grave. Ça crive mentissant, c'est une catastrophe humanitaire. Ça qui arrive dans le pays là, c'est des situations qui sont supposées conscientiser chaque haïtien. Parce que m'a regardé, m'a comprendre côté que on dit des citoyens, des jeunes qui prennent des armes, qui utilisent des armes et qui fait exhibition gros armes. Bon, vous m'avez été étonné. Moi, on est avec un âme qui dit que en vend, bon, c'est lui, il m'a rien en vend le bosser dans le. Donc c'est pour montrer violence qui vient ancrée dans le système haïtien, violence qui vient ancrée dans elle. Mais ça fait ça en ce qu'on est. C'est parce que l'État n'a pas pris responsabilité. Pour qui ça n'a pas pris responsabilité? Un bon exemple. Si dirigeant nous, alors c'est pas dirigeant qu'on y a, si dirigeant avant nous, te mette des dispositions, te mette des mesures en place pour permettre que les jeunes soient au travail. Rendez-moi un fou sage. On est pour la AK-47, pour M60, non, mais qui a rapporté 2000, 3000 dollars américains par mois. Il ne peut pas faire qu'il petit job et échappement ferronnier pour nous. Non. Parce que les âmes n'ont rapporté plus de cob. Lorsque les bandits descendent, ils m'appellent de ton équipe à parler. Ils ont chaque temps qu'ils descendent, ils ont un cob. Mais il faut l'État ça pour combattre le banditisme. Il faut mettre une politique en place pour que les jeunes déposent les âmes volontairement. Parce que si ce n'est pas ça, on a venu de côté pour le professeur Michel Soukaremenzil pour circuler dans la commune. En commune, son chef gang pour demander autorisation. Alors, c'est vie tout peuple haïtien qui est en jeu. Pas bon citoyen haïtien qui est épargné pour nous là. Elle dit nous tous, nous avons une sécurité totale. L'État n'a pas jamais dit. Comme il s'est gouvernement pas jamais agi, personne pas jamais arrêté, bandit pas jamais arrêté. Donc, on vient nous voir que bon légitimité et légitimisation de violence. Et nous-mêmes, comme avocats, nous avons dénoncé ça haut et fort pour nous dire que le ministre intérieur qui dit qu'il est là pour assurer la sécurité intérieure de l'État, il faut le prendre responsabilité. Le ministre de justice, il faut le prendre responsabilité. Et tout le monde suppose prendre responsabilité parce que nous ne pouvons pas aimer. Nous vivons côté violence, nous vivons tellement légal pour ces bandits pour demander autorisation. Donc je dis là, nous pensons que l'île est temps pour toute population. C'est là que nous disons population supposée lever camper. Parce que il y a plusieurs lever camper. Il y a raison pour lever camper. Un, population supposée lever camper parce qu'il n'y a pas d'injustice. Population supposée lever camper parce que l'État n'a pas capable de sécurité. Et là encore, demain, si Dieu veut, nous avons une équipe d'organisation qui vient déposer plainte. Autorité CSPN, il faut comprendre que monsieur CSPN n'a pas qu'à bailler sécurité. Et en matière de sécurité, Premier ministre Claude Joseph, c'est le premier monde qui supposait prendre responsabilité en matière de sécurité. Ministre Justice, directeur général de la police, tout le monde sait, c'est des mondes qui cautionnent ce qu'a fait là parce qu'ils n'ont pas pris responsabilité. Donc, c'est ou pour dégager, ou pour traquer bandits, ou pour freiner banditisme. Donc climat sécurité, alimenté honte. Volonté, demander en prise de conscience pour éviter que trois monde pas mourir. Mais nous connaissons chef la police te dit la population doit révolter de ça qu'a fait là. Qui je comprends le discours et directeur général de la police, elle demande la population pour révolter. Ou même. Alors moi personnellement, l'heure dit DG la police en fait discours ça, je saisi parce que. On est qui est le monopole de la violence légitime, mais il n'y a pas de révolter. Parce que automatiquement, quand on révolte, il y a la vengeance privée. Chaque monde qui a fait la justice. On est vraiment étonné le temps de dire que tu as parlé comme ça. Parce que, comme avocat, nous ne sommes plus à l'époque d'Amourabi, à l'époque d'œil pour œil, dent pour dent. Non. Pas que nul ne peut se faire justice, c'est peut-être ça qui est tribunal, etc. Maintenant, l'on dirait que la police campée. Il appelle la population à se rebeller, à se révolter. J'estime que c'est une faiblesse totale. J'estime que c'est un manque de responsabilité. Maintenant, le directeur général de la police ne peut plus diriger cette prestigieuse institution.
son sorte de démission pour moi. Je même pense que il aurait été plus sage si le DG de la police remette sa démission. S'il remet, dit bon, l'autre monde qui a géré ça, là mieux. Mais faire des déclarations comme ça, c'est montrer bandits que la police est faible. Et dans le moment où on a parlé là, nous n'avons pas besoin de la police qui est faible. Nous avons besoin d'une police qui est forte et pour permettre que vous freinez le climat de sécurité de bandits. Mais nous, la population, plusieurs fois, levé campé, c'est même DG la police, ça que vous avez ici, mobile gaz. Mais comment comprendre, DG a dit pour la population révoltée pendant que c'est même DG ça qui parle de mobile gaz dans la manifestation, dans le soulèvement général. Comment comprendre ça? Oui, alors, je m'adresse aux policiers, Udmo, quelle que soit l'unité de dire. Il faut comprendre que la population campée, la population, comme si à manifester, c'est pour vous comme policier, c'est pour vous comme boy, c'est pour vous comme swat, c'est pour vous comme Udmo. Parce que là, moi, là, oui, je demande sécurité. C'est pour vous demander. Parce que l'homme de sécurité, c'est moi qui ai sécurité ou même. Parce que, regardez, il y a plusieurs organismes de droits humains qui mettaient des rapports dehors. Donc, pile policier pour vous. Vous avez dit là? Maintenant, vous comprenez que 26e année et anniversaire de la police, là, sous compte Twitter, il a dit qu'on ne peut pas souhaiter joyeux anniversaire à la police parce que les conditions sont difficiles. Abelson Gonet croupi en prison, policier mouri. Ça est là, et l'on le commissariat, l'on le commissariat, vous regardez comment policier a dormi, c'est pas exécrable. Conditions de travail policier, c'est pas lamentable. Elle dit, chaque policier a touché. Bon, policier dans la rue, madame Lirele lui dit, mais on vient de guerre pile. Donc, conditions de travail sont difficiles. Et faut chaque policier qui a regardé la capitaine de me comprendre que révolution, changement, révolte, lever campé en supposé fait. Et là, ça, c'est tout policier qui supposé mettre en population. Parce que changement pas pour moi, il pas pour là, pour nous tous. Dans le moment où là, nous avons besoin de nous rebeller contre les dirigeants parce qu'ils ne sont plus en mesure de donner des fruits. Moi, je dis, tout le monde qui est dans le gouvernement, si nous ne sommes pas capables de démissionner, nous avons l'autre équipe. Parce que moi-même, ce n'est pas pour vendre besoin, c'est le résultat de besoin. C'est sécurité de besoin pour les gens qui sont dans le centre sportif. Sécurité de besoin pour les gens qui sont dans le soleil. Sécurité de besoin pour les gens qui sont dans la ville, dans la saline, fort tout rond. Sécurité de besoin comme avocat. Sécurité de besoin pour les gens à Belson Gounègue. Sécurité de besoin pour nous journalistes. Et si le pouvoir n'a pas de sécurité, remettre des missions, bah, vague dans l'autre équipe parce qu'il a fait pays, il va rentrer dans la presse. Et nous avons parlé d'Abelson Gounègue qui nous connaît qui est en prison. En tant qu'avocat Abelson Gounègue, dis-nous, dans quel niveau dossier y est et qui j'ai été à santé Abelson Gounègue en dans prison pénitentiaire nationale. Très bien. Alors, pendant que je suis à Abelson Gounègue, bon, l'autre parenthèse que je m'en fais, mais bon, résumer le dossier Abelson Gounègue. On comprend que nous-mêmes, plusieurs avocats, Maître Théophile Iswick, Maître Arnel Rémy, nous là comme avocats, et dans quatre dossiers. Abelson Gounègue est arrêté depuis le 27 mars. Vous savez, non? 27 mars, par le commissaire Bedford Claude. Et la première irrégularité que nous avons pu observer dans l'émission du mandat, c'est que le mandat d'amené d'Abelson Gounègue n'est pas doté de numéro. Ce qui explique que c'est un dossier qui n'existe pas. Parce qu'à chaque dossier qui n'est pas qu'il y a un numéro. Et dans chaque mandat d'amener qui émet un numéro. Et je vais vous prendre ça clair pour le capitaine Deo. Et dis-le en créole. Parce que il y a un capitaine Deo. Dis-le plus explicite. Okay. Pour mieux comprendre ça qui est à Belson Gounègue. Parce que son arrestation, en fait, là, c'est déjà pas légal. Et d'après avocat, mais quand il y a parlé des dossiers, monsieur, pas de numéro. Oui. Et c'est plus explicite pour mieux comprendre dans quelles conditions que Belson Gounègue lui-même est trouvé dans la prison. Très bien. Et chaque temps, on monde vient porter plainte dans le parquet, il y a une formalité. Depuis que nous avons besoin de l'amener, il y a une formalité. Il passe dans le service net. Ils ont enregistré le dossier à Bouli, dans le registre plainte, chaque numéro de chaque dossier mon numéro. Si c'est mettre en arrêt, une déposition plainte, si c'est mon premier plainte Abdou, un P, etc., et 1200 combien, 1300 combien. Mais dans le cadre d'Abelson Gounègue, pas un dossier, pas un bail ça. Parce que c'est Chita, comme ça, Chita Lakali, il a reçu des ordres, et même quand elle pour moi d'amener les krill. Mais il faut comprendre tout. Là, nous-mêmes, dans l'enregistre parquet, moi, je m'arrête au final, vérifier si le dossier a texté. Pas de dossier.
si pas de dossier, elle dit son marché presque que tu as fait pour arrêter Abelson Gounègue. C'est bon. Première irrégularité nous. Là, tout nous comprenons que l'arrestation des cartes, il y a tout exécuté parce que si pas de numéro dans le dossier. Donc c'est pour un bagage la justice que connaître. Non, non, pour qui ça me dit ça, c'est pour montrer le caractère politique arrestation. Parce que un, il y a arrêté Abelson Gounègue pour destruction de biens publics, biens privés et association malfaiteurs, acte de terrorisme, acte de banditisme. Et faut comprendre. Pour qu'il y ait un dossier, il aurait fallu des plaintes. Il faut que les gens qui déposent même. Et des plaintes, merci. Et il faut comprendre que normalement, madame Neo mettait la société. Jusqu'à présent, on n'a reçu aucune plainte, on n'a reçu aucun grief de la part de la société, entre guillemets, contre Abelson. Vous savez, Zoulan? Et de deux, le arrêté avec Abelson depuis le 27 mars. La constitution à travers l'article 26.2 dit. 48 heures après votre arrestation, vous avez le droit de comparaître par devant votre juge naturel. Il a arrêté Abelson depuis 27 mars et jusqu'au moment où nous parlons, n'était-ce pas notre intervention à Béas Corpus, Abelson pas d'argent bon dossier. Et nous-mêmes, nous avons prouvé que le dossier d'Abelson Gounègue ne marchait pas. C'est là où il manquait que nous avons fait action en Béas Corpus. Non? Mais il laisse à pouvoir, il dit bon, etc. etc. Il a couru faire dossier arrivé à l'instruction. Ceci ne nous intéresse pas. Il a mis le TFL parce que c'est une action habeas corpus. L'action habeas corpus qui sont possibilités prérogatives que la loi bail justiciable pour le dit doyen, écoutez, vous êtes le doyen, vous avez le droit de statuer sur la légalité de mon arrestation. Vous savez, et ça fait habeas corpus ad sur hissien doum. Que tu es ton corps pour le produire par devant le tribunal. Et là, ça va statuer sur la légalité de l'arrestation. Et nous-mêmes, comme avocats, qu'est-ce qu'on a dit? La détention d'Abelson Gounègue est arbitraire. Parce que sa détention dépasse les 48 heures. Abelson Gounègue n'a pas comparu devant son naturel, par devant et le juge des libertés individuelles, c'est le doyen du tribunal. Mais nous, on a nous-mêmes, ça ne fait. Nous faisons béas là. Nous jouons une ordonnance. Depuis 6 mois, j'ai une ordonnance. Nous avons signé commissaire en plaidé en habeas corpus. Nous assurons que huissier signifie régulièrement papier. Hein. Mais le commissaire du gouvernement ayant reçu des ordres de Jovenel Moïse, pas mettre pied. Jovenel Moïse dit souvenir, moi, ma forme du job, même côté, ma méto en disponibilité. Puisqu'on connaissait lui, le chef de la poursuite. Donc, depuis le parvenu, le dossier bloqué. Mais malheureusement, par contre, si et le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Vous savez, non? Puisque législateur a été prévu ça, législateur a été connu après des arrestations politiques comme ça. Il dit, si le commissaire n'est pas fini, eh bien, doyen, sur la base de l'article 28 du décret du 22 août 1995, relatif à l'organisation judiciaire, doyen a une possibilité pour choisir un juge. Vous savez, dans le tribunal, pour faire office, ça veut dire jouer rôle de représentant du ministère public. Eh bien, doyen, tu es venu choisir le juge Gary Aurélien, qui malheureusement pas envie non plus. Dernièrement, nous venons plaider là. Finalement, il y avait un avocat qui a été atteint de la COVID-19. Doyen, tu es bon dispense. Ce que nous respectons. Mais je dis encore, maître Théophile, maître Michel, maître Esperanta, ils ont été raconté doyen, ils ont pris une nouvelle ordonnance. Donc, ordonnance fixée, plaidoirie en jodien là. Donc, nous espérons que les acteurs seront présents, puisque moi, doyen, passé là, moi, c'est lui. Les acteurs seront présents pour que ce dossier soit plaidé. Mais avant de finir, une dernière information que m'a, alors une dernière remarque que m'a fait sous en disposition que m'a le gouvernement va le prendre. Le gouvernement dit qu'il va comme si mettre les mesures sanitaires en de prison. Moi, je toujours dit appliquer les mesures sanitaires à l'intérieur de la prison ne suffit pas. Attendez bien, oui. C'est pas mettre kit hygiénique, c'est pas une cellule. D'ailleurs, prison pas faite pour te recevoir 7000 moun zao. Non. Prison ont été faites pour effectif X, mais tellement phénomène détention préventive prolongée à l'idée contrôlée de pouvoir qu'on n'y a pas de contrôle le nombre de monde qui sont en prison. Relequez votre ministre. Mandez combien de monde qui sont en prison, Abdou Bakone. Mais voilà la solution qu'on propose. C'est un problème qui doit être résolu en amont et non en aval. Ça vous nous fait, c'est que pour relocaliser le tribunal, retirer le tribunal à côté lié là. Permettre que tout le monde qui a gagné accès à lui en toute quiétude, permettre que le juge vienne, permettre que le greffier vienne pour une dame en sécurité, permettre que l'avocat vienne,
Maintenant, le tribunal a fonctionné après le régime. Ils vont attaquer véritablement le phénomène de la détention préventive prolongée. Maintenant, en deux prisons, nous avons un papier long quoi. Maintenant, ils leur sont à l'appliquer, mais des qui dégénèrent. Mais le tribunal n'a pas fonctionné. Faire tribunal va fonctionner, mais du coup, le combat, c'est peine perdue, son gaspillage. Et moi, ils sont là, je vais bouler. Mais qui sa famille Abelson Gounek capable d'espérer pour Abelson Gounek dans le moment qu'il n'a pas lié là, parce que vous dites, doyen lui-même est venu. Et nous-mêmes, on a fait avancer le dossier. Qui sa famille Abelson, Zamil, et confrère policier par Elio, qui sa capable d'espérer de Abelson Gounek? Très bien. Vous dites, maître Théophile, beaucoup de temps là. On va me passer la parole rapidement. Seul ça me connaît, moi-même, je ne suis pas un avocat probateur. Seul ça me connaît, nous-mêmes comme avocat, nous allons remuer. C'est l'éternel, toujours dit Abelson Gounek ça. Il a de la chance, il a de jeunes avocats. Il a constitué de jeunes avocats, un cabinet compétent. Et nous faisons partie des meilleurs avocats du pays actuellement. Nous avons fait tout ça que nous pouvons pour que Abel, Marise, Maran, etc., tout le monde soit joué une caresse à Abelson, pour Abelson qui a retrouvé caresse. On va s'évertuer, même si on va dans nous là, ce que nous avons souhaité, je ne connais ça. Nous irons à la cour d'appel, plaider, parce que notre défi, c'est que Abelson Gounek à la Kaidi pour Chita, pour le petit sou à madame ni, pour le petit filet, pour le petit plaisir, et puis Chita, tout le monde a fait feu, parce que l'arbitraire ne doit pas être la règle, mais ça, c'est la liberté qui doit être l'objectif de ce cabinet. Et le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, le cabinet advocatus, on a fait tout ça dans le pouvoir nous, pour nous camper avec Abelson et tous les prisonniers politiques. Parce que en deux prisons, on sentit ça, mon cher bataille, mon église. Merci.